Eh bien, bonjour à tous, c'est Ben Cog et je suis content de vous retrouver pour l'épisode 25 de notre Let's Play sur Planet Coaster. Alors, la dernière fois, on avait fait ce transfert track. Comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit peu de changement et ça vient de Jordan Bradmount qui m'avait dit que, en fait, le but du transfert track, apparemment, c'est de faire entrer une bûche à l'intérieur et de pouvoir la faire ressortir. Alors bon, par souci de place, j'ai pas pu faire vraiment une sortie du parc, hein, mais bon, on peut imaginer que vraiment en cas de s'il faudrait vraiment sortir une bûche du parc, il y aura un système là juste pour enlever les barrières et qu'on puisse passer avec un engin la nuit. Hein. Ouais, voilà. Après, oui, j'aurais pu pousser, j'aurais pu faire peut-être un passage en dessous là. En dessous de la montagne, mais bon, assez compliqué, ou alors voilà, par là. Bon, en tout cas, j'ai fait la porte comme demandé, et au moins il y aura une plus grande place pour partir. Ensuite, toujours Jordan Bladmouth qui m'avait dit par rapport à mes tuyaux là que au final. On rejette pas l'eau dans un flou, mais on pompe plutôt. Bon, il m'a dit qu'on devrait mettre trois tuyaux. Bon, j'en ai laissé que deux pour l'instant. Peut-être que j'en remettrai un troisième. Et du coup, j'ai retiré l'effet de bah, ça crache de l'eau en fait. Là, on pourra dire que du coup, on pompe l'eau pour la ramener tout en haut. Il faudra que je finalise. Hein. Je vais amener le tuyau jusqu'en haut, je pense. Et là, on peut dire que le tuyau, il part dans la terre et voilà, il alimente je sais pas où là-dedans. Voilà pour le transfert track. Ensuite, on a Bendy07 qui m'avait dit de faire une passerelle en bois. Alors, c'est ce que j'ai fait. Par contre, oui, il m'avait dit de le faire plus petit en largeur, mais comme j'ai déjà fait le chemin, j'ai essayé, hein. C'était trop, trop, trop la galère. Dès que je veux casser un chemin, ça me casse tout. Et non, franchement, j'aurais dû faire ça avant. C'est vrai que j'ai pas pensé. Bon, je pense que ça passe parce que je pense que c'est un endroit aussi, faut pas l'oublier, où il y aura beaucoup de passages, beaucoup de monde parce que vont aller à cette attraction. C'est le seul accès hein, quand on regarde pour aller à l'attraction. Donc, je pense qu'il y aura énormément de monde ici. Donc, peut-être que c'est pas plus mal que ça soit large. On verra quand on ouvrira la zone ce que ça donne. J'ai mis un petit point aussi, un petit point de vue pour essayer de faire venir des visiteurs ici. Mais bon, vous voyez, ça mouille vraiment tout le pont. Donc, il faudra faire attention quand on se rendra à l'attraction parce qu'on est obligé de se faire mouiller avant. Ça nous mettra dans le vif du sujet. Donc voilà. Après, je voulais aussi vous parler, que j'en ai pas parlé dans le dernier épisode et je suis désolé. De Twilight69 qui a lancé sa chaîne YouTube, donc je pense que vous le connaissez tous. Mais pour ceux qui connaissent pas, sa chaîne c'est Twilight World et il fait un super parc. Franchement, j'admire ce qu'il fait parce qu'il a vraiment le souci du détail. Donc je vous invite à aller regarder sa chaîne et je vous mettrai le lien dans la description. Voilà pour Twilight. Ensuite, bah c'est tout. Donc vous voyez, j'ai commencé à découvrir vraiment très très vite fait. Cette attraction et je pense que c'est dans cet épisode pardon, je vais essayer de terminer complètement cette attraction. Au moins ça sera tranquille. Alors l'arrière, je sais pas encore comment faire. Est-ce que j'ai envie de faire des façades en fait un peu arrondies dans ce style là. Des façades et faire une montagne derrière. Ou je sais pas encore parce que je suis en train de penser aussi au train de la mine. Devait être ici à la base. Et je pense qu'on va le reculer un petit peu plus. Enfin, je sais pas comment faire. Il va pas être vraiment le long ici, il devait être le long de la rivière. Mais on m'a donné une idée, c'est vrai, de rallonger la rivière par ici. De faire un petit lac quelque part. Mais attention, parce que ça sera plus du tout le thème d'ici. Ça sera vraiment plus thème prairie. Vous voyez un peu, là on est dans le Colorado et en fait ça serait plus du style du parc des Sequoias et tout, je sais pas si vous connaissez aux États-Unis.
avec un peu plus de verdure, sans trop, un peu à la Red Dead Redemption 2, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que le train de la mine, du coup, je pense que je vais rester sur mon idée de la mine. Bien sûr, il ira pas dans la mine, ou alors on essaiera de le faire entrer par ici. Et on essaiera de faire interagir un peu le layout avec le flume. Alors si je veux que le tracé vienne ici, je pense que la gare doit être par ici, elle sera pas par ici. Et du coup, ça nous laissera tout cet espace ici vide. Et je sais pas du tout quoi faire ici, parce que faut pas oublier qu'ici on a le village de prévu. Un village de prévu ainsi que la gare de mon train. Alors je pense que le train il va remonter un petit peu. Je vais le faire remonter. Je vais peut-être le faire contourner le flume. Parce que passer par en dessous, ça fait une longue route. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop comment le faire passer. Donc je pense que ça, l'arrière, il y a de la place. Et du coup, la gare sera peut-être plus par ici et non pas par là. Donc c'est vrai qu'en faisant ça, ça va agrandir énormément ma zone, mais bon. Je pensais pas déjà faire un flume qui prenne autant de place. Le flume, pour l'instant, je le finirai hors caméra. Hein, toujours en train de mettre des rochers à droite, à gauche. Vous voyez, j'en ai rajouté ici, un peu partout. Et c'est pas très intéressant à regarder en vidéo. Donc au fur et à mesure, bah. J'essaye de l'embellir, même si je le considère pas 100% fini, mais une bonne partie. Il y aura peut-être une pancarte à mettre ici. Et voilà. Donc on va arrêter de trop blablater. Aujourd'hui, on va s'attaquer au flat ride ici, le boomerang. Alors j'aimerais bien faire, vous voyez, une petite façade avec écrit boomerang derrière. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Il faudra que je voie tout ça. Avec de la déco un peu partout. Pour vraiment bien remplir le truc, parce que là c'est vrai que ça fait vraiment très vide. Et il y aura aussi ici à faire, je pense, soit de la déco ou je sais pas. Je sais vraiment pas quoi mettre ici. Soit de la déco comme ici. Je pense que c'est le plus. Il reste le mieux à faire. Bon, on va arrêter de parler, je parle un peu de trop. Et on va se mettre au travail. Et moi je vous dis à tout de suite.
Alors, voilà tout ce qu'on a fait. Donc, j'ai bien avancé. J'ai pratiquement terminé ce flat ride. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai appelé le Tomahawk, en référence au Tomahawk. Alors, j'ai cherché sur le workshop. Hein, j'ai trouvé des Indiens, mais bon, c'est pas non plus les mieux réussis. Mais bon, je pense que ça passe. Et lui, il a un... on peut dire qu'il a un petit Tomahawk. Hein. C'est une hache, hein, mais on pourrait dire qu'il a un Tomahawk dans la main. Donc. Ça concorde avec le thème de notre attraction. Donc voilà l'entrée, je fais basique, une petite affiche Tomahawk, j'ai mis la déco un peu partout. Là j'ai fait des petits lampadaires personnalisés que j'ai commencé à mettre un peu partout parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas fait l'éclairage du tout ici. Donc je le ferai hors vidéo. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus passionnant à regarder l'éclairage, même si là j'en ai mis un petit peu, mais bon il n'y avait pas grand chose donc ça va. Donc là, bâtiment décoratif, il va falloir que je trouve des affiches à mettre pour un peu embellir le bâtiment. Et ici, une petite façade, voilà, avec des caisses un peu partout, une petite charrette en travers. Bon, j'ai mis des cordes, hein, du coup, pour faire genre qu'elle est maintenue. Voilà, j'ai pas tout fait voir dans l'accéléré. Avec la montagne derrière, je pense que ça rend bien. C'est vraiment pas mal. Et on pourra imaginer peut-être le lift, pourquoi pas, de notre mine, avec la gare qui serait du coup par ici, je pense. On continuerait là et on arriverait à la gare. Ouais. Donc la mine, je ne sais pas encore. Est-ce que je vais commencer la prairie ici? Est-ce que je redescends pour faire genre, voilà, on descend. On descend d'un niveau, enfin on descend de là en gros de la montagne pour arriver en bas à la prairie, un peu moins désertique. Je sais pas encore vraiment comment faire ici. Mais je trouve que j'ai bien avancé. Et là je vous ai pas fait non plus, j'ai mis, ça vient du workshop. C'est très rare que je pose des trucs du workshop, mais là je me suis dit tiens ça fait un Tipeee vendeur. Et franchement c'est pas mal, vendeur de hot dog. Je me suis dit plutôt que de mettre que des rochers, pourquoi pas mettre un petit stand ici. Bon, c'est vrai qu'il y a les stands de nourriture ici, mais bon, c'est pas grave s'il y en a un autre ici. Je pense que ça rend vraiment bien. Donc, voilà pour ce premier accéléré. Il va nous rester un petit peu de temps, donc je pense que justement, on va commencer le gros œuvre de notre mine. Je vais essayer de. Bien agencer tout ça, commencer à poser la station, peut-être commencer le layout, je sais pas, je sais. Alors dites-moi si vous préférez que je fasse les layouts en entier en vidéo ou si vous préférez que je coupe et que je vous fasse voir directement à la fin parce que c'est vrai que c'est très 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 long à faire. Et celui-là, j'ai pas envie de le louper. Donc voilà. J'espère que le lift il sera pas trop haut en hauteur parce que si je veux aller jusqu'en haut là, ça va faire un sacré lift. Hein. Donc ça, on va voir. Donc, on va commencer tout ça et moi je vous dis à tout de suite. Thank you.
Bon, voilà un peu ce que ça donne. Donc, c'était pas prévu que je fasse le tracé dans cet épisode, mais vu que j'étais parti et vu que le terraforming c'était assez rapide quand même. Alors, déjà, on va commencer par le terraforming que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai gardé le même niveau un peu partout. Alors, ça risque de bouger, hein, c'est vraiment provisoire. Du coup, j'ai rajouté une petite rivière. Faudra peut-être que je l'élargisse un petit peu, je sais pas. Quoique. Parce qu'en fait, je voudrais donner un peu l'effet canyon ici. Donc il y aura des ponts, hein, forcément. Et un peu comme ce style ici, là. Peut-être plus en prairie, je sais pas. Mais vraiment, l'idée, c'est de faire un petit canyon pour un peu simuler le Colorado, en fait. Hein. Un peu style Grand Canyon. Mais bon, je vais pas faire non plus le Grand Canyon. Hein, ça serait trop compliqué à faire et surtout trop grand. Mais voilà un peu l'idée. Donc on reste toute cette partie-là, village vraiment western. Alors on va vraiment faire du vrai bâtiment western parce que jusqu'ici, ma zone Far West, bah, n'a pas beaucoup de bâtiments western. Hein. C'est plus mexicain. À partir d'ici, donc ce sera tout ce qui est bâtiment western. Et ici, je ne sais pas encore. Alors si vous avez des idées, je suis preneur. J'avais hésité à faire une partie ranch ou je sais pas. Parce qu'il y a encore énormément d'espace en fait ici, vu que j'ai rapproché la mine. Donc la station de la mine, ça sera ici, donc on arrivera d'ici, et il y aura une arrivée aussi ici, hein. Il y aura deux arrivées pour arriver là-haut. Donc avec toute une partie vraiment western, peut-être un peu plus prairie vers le bas quand même. J'aimerais bien que tout le bas de la montagne soit vraiment un peu plus prairie. Et plus on monte, plus on arrive dans le désert, quoi. Donc voilà un peu le layout. Alors bon, il n'est pas exceptionnel. J'ai fait comme je pouvais. Je suis pas un expert, comme je vous le dis, en coaster. Alors le lift, je le trouve un peu grand, mais j'ai pas le choix. Si je voulais aller jusqu'en haut pour interagir avec le flume, j'étais obligé hein, d'aller aussi haut. Donc après, vous inquiétez pas, hein, je vais décorer la montagne. Elle restera pas comme ça. Et ce que je voulais vraiment donner comme impression, c'est Et ben en fait, quand on est ici, quand on se balade, on voit vraiment le lift. Et je trouve que ça rend vraiment pas mal. Il y a quand même des belles vues, même d'ici. Attendez, hop, on va se mettre comme ça. Vous voyez, d'ici, je trouve que ça rend vraiment bien la vue. On voit qu'il y a quelque chose en haut. Et du coup, voilà, je l'ai fait un petit peu interagir. De toute façon, c'est le seul endroit où je pouvais le faire interagir avec le flou. Mais bon, moi, je pense que ça marche bien. Après toute cette partie-là, il y aura beaucoup de parties en intérieur. Hein, ça restera pas comme ça. Je vais continuer la montagne. Mais bon, je la ferai au fur et à mesure parce que bah, il va falloir que je décore aussi l'intérieur. Je vais pas décorer comme le Flume parce que bon, vu que c'est un train qui passe vite, ça sert à rien de faire énormément de détails. Mais je vais quand même faire vraiment l'impression qu'on est encore dans une mine en fait. Donc voilà, ici j'ai mis une zone de frein où ici en fait la montagne elle continuera jusqu'ici, là on sortira de la montagne, hop on fera un petit tour là, là on re-rentre dans la montagne ici et on ressort ici à peu près pour terminer ici, vous voyez j'ai commencé le transfert track, alors c'est vrai que ça fait assez long la fin là de l'attraction, mais j'avais pas envie de trop empiéter sur le lac parce que sur le lac j'aimerais bien faire vraiment de la déco. La déco un peu western, avec des petites cabanes en bois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais juste vous faire voir vite fait les stats, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas voir. Hein. Bon, elles sont pas ouf. Hein. Bon, ça passe encore. On est dans le orange. Alors, je sais pas si j'ai déjà réussi à être dans le vert. Ce qui est de la peur, pour moi, c'est logique. C'est logique parce que ça reste une attraction familiale, le train de la mine, c'est pour tout le monde, donc faut pas que ça fasse trop peur non plus. Et l'enthousiasme, bon, ma foi, on est pas trop mal. Hein. Voilà, vous voyez la peur, ça, on est vraiment tout le temps dans le vert. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas toujours à commenter. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. À vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre bah, les prochains épisodes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!